n'est pas nutritionniste celui qui veut l'être ou l'espère l'être. Bien qu'en théorie, manger sain et perdre du poids semble facile, la pratique en est tout autre. Surtout lorsqu'on est borné à l'idée que tous fruits et légumes sont bons pour la santé, on peut facilement se faire piéger. À partir de cette prochaine liste, on vous aide à identifier les aliments qui à premier abord semblent sains, mais qui ne le sont pas tant que ça. L'avocat, du bon gras qui reste gras. Il est l'aliment tendance des régimes minceurs. Car oui, il remplace parfaitement le beurre sur un toast, se déguste délicieusement en guacamole ou en tant qu'accompagnement de nos salades. Mais voici la mauvaise nouvelle. Les avocats ne sont pas exactement les plus favorables à une perte de poids. Les experts expliquent qu'un avocat de taille moyenne représente environ 3 portions dont chacun équivaut à environ 80 calories. Ce n'est donc pas exactement un aliment hypocalorique. Vous vous dites sûrement que c'est du bon gras et vous avez raison. Certes, ça évite d'avoir faim pendant un moment mais du bon gras reste du gras et peut entraîner une prise de poids indésirable si la consommation se fait de manière excessive. Idéalement, on ne dépasse donc pas les 2 à 3 avocats par semaine. La modération est la clé. Les sushis, également très caloriques. Si vous pensez que vous accélérez vos efforts de perte de poids avec ce plat japonais, détrompez-vous. Un rouleau de sushi contient 300 à 350 calories. Et ce n'est pas comme si vous alliez en manger un seul. Un paquet de sushi typique contient 2 à 3 rouleaux, représentant un total de 1050 calories. De toute évidence, ce n'est pas aussi léger que vous le pensiez. Sans compter que les sushis sont désormais produits en masse et vendus dans les supermarchés du monde entier. Comme vous pouvez vous y attendre, la plupart d'entre eux ne contiennent plus les bienfaits pour la santé des sushis de qualité supérieure, et chers, que vous pouvez acheter dans les restaurants japonais de première classe. Les soupes préparées qui n'ont rien à voir avec les soupes faites maison. Ici encore, on se laisse piéger à penser que tout ce qui contient des légumes est forcément sain. Mais avez-vous déjà pris le temps d'analyser la liste d'ingrédients qu'on retrouve dans une soupe préparée de grande surface? Vous remarquerez qu'elle ne présente pas la moitié des avantages de santé d'une soupe faite maison, tout simplement parce que les nutriments ne peuvent pas être conservés aussi longtemps. Tous les conservateurs utilisés pour améliorer la durée de conservation de ce genre de soupe détruisent les qualités antioxydants des légumes. Les ingrédients utilisés ne sont pas non plus de la meilleure qualité, ce qui fait que la soupe contient principalement de l'amidon, du sucre et du sodium. Et finalement, la teneur en légumes d'une soupe emballée est presque négligeable, en plus de contenir des nutriments appauvris. Les jus de fruits et les smoothies bourrés de sucre. Un verre de fruits mixé peut sembler être une façon très saine de commencer la journée, et elle présente certainement de réels avantages. Mais les smoothies n'ont pas vraiment l'auréole dorée de la santé qu'on leur prête souvent. Déjà, même sans sucre ajouté, ils sont très sucrés car très riches en fruits. Ensuite, mixer les fruits élimine les fibres alimentaires qu'ils contiennent. La grosse quantité de légumes ou fruits utilisés, combinée aux facteurs de satiété dont vous manquez grâce aux fibres qui ont été détruites, signifie que les smoothies facilitent l'excès de calories et de sucre. Les smoothies achetés dans le commerce peuvent également contenir des sucres ajoutés, par exemple sous la forme de jus de fruits ou de yaourts aromatisés. Le pain aux céréales complètes qui n'est pas aussi complet que ça. Ce n'est pas le pain complet qui pose problème, mais plutôt l'étiquetage. On peine donc à trouver un vrai pain complet, où chaque partie des grains de céréales est laissée intacte, ce qui donne aux clients un produit plus sain. Effectivement, la valeur nutritionnelle est perdue lorsque les grains sont transformés. Pour information, aux États-Unis, seuls 51% d'un produit doit contenir des céréales complètes pour mériter le label. Cela signifie que jusqu'à 49% de ce produit peut contenir des céréales transformées et d'autres produits de remplissage et obtenir quand même le label doré, produit à base de céréales complètes. Une confusion qui peut poser gros problème. La clé est de lire attentivement les étiquettes. Parmi les meilleures marques disponibles, beaucoup indiquent les grammes réels de céréales complètes sur l'emballage. Bien sûr, faire son propre pain complet à la maison résout également toutes ces confusions. Les barres énergétiques et protéinées et ses risques pour la santé. À première vue, de nombreuses barres granola et énergétiques semblent être une excellente collation santé à avoir sur soi en tout temps. Elles contiennent des morceaux de fruits, des noix, des flocons d'avoine et peut-être même du chocolat noir. Comment ne pas les aimer, n'est-ce pas? Mais lorsque vous retournez leurs étiquettes pour lire la liste des ingrédients, vous réalisez rapidement que beaucoup d'entre eux contiennent du sirop de maïs à haute teneur en fructose et des huiles hydrogénées. De nombreux aliments hautement transformés, comme les soda light, les biscuits et les gâteaux, contiennent du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose, comme tous les sucres ajoutés, peut contribuer à la prise de poids, au diabète de type 2, au syndrome métabolique et aux maladies cardiaques s'ils sont consommés très régulièrement. Les yaourts aromatisés et ses sucres transformés. Le yaourt est bien connu pour sa teneur élevée en calcium et en probiotiques, qui sont très importants pour la santé de l'organisme. Malheureusement, la plupart des produits commercialisés aujourd'hui contiennent de grandes quantités de sucres transformés, ainsi que des arômes et des colorants artificiels. Qu'en est-il des arômes sans sucre?
Malheureusement, les édulcorants artificiels ne sont pas forcément plus sains que le vrai sucre. De plus, la consommation d'édulcorants artificiels très sucrés peut inciter vos papilles gustatives à avoir envie d'autres sucreries tout au long de la journée. Le couscous qu'on pensait être une céréale. Le couscous est monté à bord du train des céréales à la mode en même temps que ses amis plus sains comme le quinoa et le farro. Mais le couscous a un petit secret. Ce n'est pas du tout une céréale. C'est juste une toute petite boule de pâte qu'on peut consommer à très grande quantité. Ainsi, bien que mignon et délicieux, les couscous ne sont rien d'autre que des calories vides. Les chips de légumes qui sont remplis de colorants. Une touche de vert et nous voilà en train de succomber aux trempettes, aux épinards et aux artichauts, que nous croyons sains et sans risque pour notre santé. Vous devez toutefois savoir que la plupart des marques utilisent des poudres végétales pour donner une couleur vive aux chips. La majorité de ce que vous mangez est constituée de fécule de pommes de terre et de farine de maïs. Elles peuvent également être fortement salées et frites pour imiter la même saveur que les véritables chips de pommes de terre. Un conseil de pro lorsque vous achetez des chips végétariennes, assurez-vous que les légumes figurent en premier sur la liste des ingrédients. En outre, en cas de doute, essayez de les faire vous-même à la maison si vous possédez un déshydrateur. Les pâtes aux épinards et tortillas. Ces couleurs vertes nous donnent certainement l'impression de faire un choix plus sain, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. La triste vérité, c'est que la quantité d'épinards contenue dans la plupart de ces produits est tellement insignifiante qu'elle ne fait que donner une couleur plus jolie au produit. Si le goût des épinards est ce que vous recherchez, ajoutez-y des épinards. Mais si vous cherchez à bénéficier de certains des avantages étonnants que les épinards ont à offrir pour la santé, la consommation de ces pâtes vertes ne suffiront pas.